Bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue dans la vidéo aujourd'hui. À côté, nous allons aborder tout ça qui a dominé l'actualité football là, puisque dans le pays, l'Italie, l'équipe là, aujourd'hui, on a arrivé à imposer le 3 goals à 0 sur l'équipe Milan. C'est pour venir avec résumé de réaction à la presse pour vous. En tout temps, l'équipe Juventus Alien qui tombe dans 5ème place, puisque l'équipe Napoli a également défait une belle victoire, mes amis. 2 goals à 0, nous allons venir avec qui ça la presse dit et pourquoi pas résumé de goal. Dans le pays d'Angleterre, nous avons l'équipe de Chelsea qui est arrivé à imposer sur l'équipe Crystal Palace à 2 goals à 1, mes amis. Nous allons venir avec résumé de réaction à la presse. Toujours une actualité dans le pays d'Angleterre, gagné propriétaire Spotify lui-même qui a acheté l'équipe Arsenal là. Nous parlons tout dans le pays d'Allemagne côté qui équipe Bayern de Munich là officiellement lui changer entraîneur côté que c'est entraîneur équipe RB Leipzig qui va prendre tête équipe ici là. Dans le pays l'Espagne, journal Le Patman qui fait éloge pour Antoine Griezmann lui-même qui vraiment là a mené l'équipe FC Barcelone vers la victoire et pourquoi pas vers le titre. Et nous parlons tout avec choc qui va gagner dans la Ligue des Champions, mes amis. Qui ça journal lui a dit pour les demi-finales de la Ligue des Champions? C'est une vidéo qui gagne tout ça qui a dominé actualité football là. Résumé goal, on a porté pour tout petit n'a pas de plus de détails pour. Tactez Cash Lakay Kounye à son numéro de téléphone ça ou bien sur www.cachelakay.com pour qu'il devenir un agent. Nous avons commencé la vidéo de presse dans le pays l'Italie avec Juna Paperosa. C'est Gazzetta dello Sport qui mettait à la une malheur pour la Juventus et Milan. En effet, l'équipe Lazio de Rome qui veut imposer le 3 goals à 0 là, quand il face avec Milan AC et pourquoi pas Napoli qui veut battre Torino 2 goals à 0. Ça qui permet que l'équipe Napoli aille prendre 4ème place dans l'équipe Juventus de Turin et pourquoi pas Milan AC qui a trébuché. Définitivement, journal qui fait connaître que Lazio avec Napoli remonte dans tête classement et pourquoi mes amis, donc c'est venu en course à 5 pour qu'il y ait une qualification pour la Ligue des Champions. Toujours sur l'action de Matilla, mais journal de Sport qui mettait à la une Napoli, tu es 3ème. Définitivement, course à l'Europe est vraiment la compliqué dans le pays l'Italie et ça qui vraiment compliqué la tâche pour la bande à Cristiano Ronaldo. Et le Barra qui fait la une dans le journal carré de le sport lui-même qui mettait à la une Napoli et Lazio de la Champions League. Mais définitivement, l'équipe ça qui a fait gros effort dans le classement et pourquoi pas mettre vraiment en jeu place équipe Juventus dans la Ligue des Champions en équipe Alvini là. Et bien, comment ça débute l'équipe Napoli? C'était la 11e minute de jeu, les Bakayo Kanté ouvrent ce score pour l'équipe Napoli. À la 13e minute de jeu, Victor Osimhen dégage de mettre deuxième goal. Ça, mes amis, t'as toujours joué première mi-temps à la 13e minute de jeu. Et mes amis, comment ça fait pour l'équipe Napoli face avec l'équipe Milan? Donc, c'était Correa qui était ouvert score depuis la 2e minute de jeu. Même Correa s'allume à la 51e minute de jeu, dégage de mettre double par la main contre la boule de double mise. Mais Thiago Immobile lui-même à la 87e minute de jeu, t'as mettre troisième goal là. Donc, 3-0 pour l'équipe Lazio sur l'équipe Milan. Justement, nous voulons plus dans la vidéo ça, mes amis, qui t'aiment pour petit temps pour nous remercier chaque monde qui a supporté le travail ça, qui déjà mettait un like à ma vidéo. Ou même qui pour faire ça, qui soit abonné, mettez un like, courez ma vidéo ça, ça a vraiment encouragé de porter plus de vidéos pour vous. Et qui t'aiment nous rappeler ou même qui t'aiment un propre business pour mes amis, avec Cash Lakay ou capable de faire ça, de entrer en contact ensemble avec vous, dans le lien ou abjoint dans la description de la vidéo ou du moins c'est dans le premier commentaire qui est en bas de la vidéo ça. Comme ça, vous avez une maison transfert, cam transfert, uni transfert, mon cash, top up, etc. Et pas oublier de vous abonner avec la chaîne de double qui sera obtenue. Cliquez sur le bouton J'ai la vidéo à Kounia pour abonner et activer la notification. Comme ça, chaque jour, vous recevrez tout ça qui a dominé l'actualité football. Nous parlons dans le pays de la France avec l'équipe qui mettait à la une Benzema s'attaque au milieu des Bleus. Et bien, les finis jeudi à la sous match Real de Madrid face avec Chelsea qui peut gagner pour mettre face à face, mes amis, Benzema avec Olivier Giroud. Mais je n'ai pas venu sous match demi-finale qui peut mettre face à face équipe Paris Saint-Germain avec Manchester City pour le mettre à la une 2 mètres, 1 bras de fer. Journal qui vient entre un cap de relation qui vient entre Mauricio Pochettino avec Pep Guardiola qui pas toujours cordial. Mais journal qui a argumenté le face-à-face entre Mauricio Pochettino et Pep Guardiola va peser sur l'issue de cette demi-finale tant attendue. Les entraîneurs du Paris Saint-Germain et de City n'ont pas toujours entretenu des rapports cordiaux. Mauricio Pochettino qui était même pas interviewé avec quelques journaux dans le pays l'Angleterre quand il était invoqué des joueurs comme Neymar Junior. Il fait connaître que c'est vraiment facile pour travailler avec Neymar Junior puisqu'il est un joueur qui vraiment ouvre, il est vraiment humble et il est vraiment remettendé. Mais quand même, pendant l'interview, ça a été venu sous choc demi-finale entre Paris Saint-Germain avec Manchester City pour faire connaître que aucun monde pas de connaître l'équipe Paris Saint-Germain, mais qu'on a une demi-finale. Il a toujours continué à courir dans la tête et pourquoi pas faire meilleur de eux-mêmes souterrain. On a toujours été dans le pays d'Angleterre avec Jonas Salim qui fait connaître que les invincibles d'Arsenal Singarab dit de Thierry Henry et pourquoi pas des joueurs comme Bergam et nous gagner viral ou même de soutenir un projet. Le projet côté propriété plateforme musique là lien qui c'est Spotify t'as prêt pour le acheter équipe Arsenal là. Mais t'as semblé que t'as prêt pour le mettre sous table là affaire de 1.8 milliard livres sterling mes amis pour acheter équipe si là. Et bien Jonas Salim les vini sous le même bagage ça pour le mettre à la une le très bon coup d'Arsenal. Mais il mettait tout mais Hazard à la une côté fait qu'on est que jodi à la Hazard qui est présent pour l'équipe Real de Madrid pour le jouer face avec ancien club qui c'est Chelsea. Est-ce que pas gagner la loi des ex qui parle vraiment appliquer dans le match là pour que Eden Hazard apporte l'équipe Real de Madrid là sont grandes questions qu'on a posées mais quand même la présence dans le match là.
On a toujours été dans le pays de l'Angleterre avec une autre bagarre qui a fait actualité, mes amis, c'est la Super League européenne. Mais Thomas Tuchel à l'issue de match Real de Madrid face avec Chelsea, il t'a regardé tout fanatique Chelsea pour qu'il vienne supporter le club, ça malgré t'as un désaccord ensemble avec lui puisque il est participé dans la Super League là. Le journal qui mettait à la une, yo c'est les vrais mauvais garçons. Tuchel qui prête du Real de Madrid pour faire connaître que c'est eux-mêmes qui bad guy dans bagay ça. Et le journal Sato qui vient sous belle victoire équipe Leicester City à sous équipe Crystal Palace à 2 goals à 1 pour mettre à la une, c'est yo circle pour la finish. Mais il fait connaître que les Leicester City qui est vraiment tout près en place de Ligue des Champions puisque l'IV mettait au cadre de deux équipes, ça lui-même c'est Crystal Palace en tête 2 goals à 1. À 5 journées de la fin, équipe Leicester City a lui-même qui vraiment assuré 3ème place là, mes amis, soit 4 points d'avance sur l'équipe Chelsea. Et puis mes amis, en résumé, comment ça a été pour l'équipe Leicester City? C'était Zaha qui était ouvert score là pour l'équipe Crystal Palace à la 12ème minute de jeu. Castagne lui-même était réduit score là à la 50ème minute de jeu, pourquoi pas égaliser pour l'équipe Leicester City. Donc il est naturel lui-même à la 80ème minute de jeu, bah, victoire ça à 2 goals à 1 pour l'équipe Leicester City. Mais on nous parlait qu'on a un pays, l'Allemagne, avec Jonas Bild qui mettait à la une Nagelsmann, c'est vraiment officiel. Et bien c'est lui qui va entraîner l'équipe Bayern de Munich en saison qui a vini là. Et bien âgé de 33 ans, c'est lui qui va gagner pour prendre place Hansi Flick dans l'équipe ça. Mais quand même, bah, qui a fait un pile par un pile, c'est salaire. Et pourquoi pas, mes amis, de combien il va coûter pour l'équipe Bayern de Munich là? Il fait connaissance à faire de 20 millions d'euros, soit 15 millions d'euros, mes amis, et pourquoi pas 5 millions d'euros comme bonus. Le grand pilote site qui même fait connaître 23 millions d'euros que monsieur Libal gagne pour coûter avec l'équipe Bayern de Munich là. Une sacrée somme qui fait que Jonas a limité à la une, c'est entraîner l'équipe à le plus cher pour l'équipe Bayern de Munich là dans l'histoire. On a quitté le pays d'Allemagne, nous parler directement dans le pays l'Espagne avec Jonas Sportlien qui publie à la une que MFC Barcelone vraiment favori là pour qu'il remporte Liga. Et bien Jonas Sport qui te fait une enquête bon côté lecteur, mais définitivement 87% de monde ne vote, c'est l'équipe FC Barcelone qui va remporter. Mais quand même, c'est une enquête qu'on prend avec un pile pincette puisque nous connaissons Jonas Sport, c'est le journal pro Barcelone, donc tout le monde qui lit ou bien plus fort monde qui lit, c'est fanatique Barcelone. Et bien avec 5%, c'est l'équipe Atlético de Madrid en deuxième et pourquoi pas Real de Madrid en troisième position avec 5% également. L'équipe FC Sevilla qui gagne 3 points de moins de leader là qui c'est Atlético de Madrid Livini avec 3% seulement. Et bien si FC Barcelone est en forme qu'on s'agit, un monde qui est vraiment en forme également, c'est Antoine Griezmann. Journal Mundo Deportivo lui mettait à la une, je dis à la chapeau Griezmann. Mais il fait qu'on est qu'Antoine Griezmann lui-même qui vraiment là vraiment à l'aise dans 3-5-2 et pourquoi mes amis qui vraiment là marqué 2 goals et pourquoi pas donc qui mettait l'équipe FC Barcelone vraiment en haut niveau. Il y a une petite victoire ça 2 goals en face avec Villarreal pour les mettre un doublé et mais définitivement français à lui-même vraiment à vivre un bon moment. Des chiffres qui vraiment convaincants pour international français puisque dans l'année 2021 il a déjà marqué 13 goals avec FC Barcelone et il a 9 passes décisives. Souvent critiqué pour mauvaise performance, mais le journal Les Sports il fait connaître Antoine Griezmann il réveille à temps pour FC Barcelone. Et bien lui-même là, j'en doute déjà, donc dans l'année 2021 qui déjà marqué 13 goals, et bien lui c'est un facteur important pour bonne forme équipe FC Barcelone actuellement. Et bien sous question que nous déposons, sous qui est-ce nous pensons qu'il a remporté Liga, qui est Marcus Jeune qui fait connaître pour pas ça qu'a fait, moi félicite pour le travail là, mon cher Liga, plus semblé avec Atlético de Madrid parce que Barcelone pas qu'à battre Atlético de Madrid. Et bon côté par Ligue 1, Atis Antitolem qui dit que pour moi-même, Barcelone a 90% de chance pour le champion. Cause Real de Madrid avec Atlético de Madrid, ils ont bêtisé en pile parce que Barcelone est en 14e position, mais qu'on y a vraiment plus près que toute l'autre équipe. En tous les cas, c'est une question qui vient en pile réponse, en pile mon cabaye, en pile opinion, opinion qui est différente, mais quand même réponse avec question ça, dans moins que moi, je vais gagner l'île de Plamène. On a toujours été dans cette Ligue des Champions avec Journal Macalien qui relaie à Fair Play Seferine. Journal là qui fait connaître que après toute polémique que Real de Madrid est entré en Europe avec Super League là, vraiment peur là de arbitrage à Jodia là. Mais nous connaissons que Max Alimemer qui parle arbitré par Marc Elinemer qui c'est un Hollandais, mais quand même Real de Madrid est vraiment peur de arbitrage à puisque il y a un pile de doute sur la Super League là entre UEFA avec Real de Madrid. Et bon, quand on parle du journal ASM, il préfère mettre à la une Yonzo sous chemin de Istanbul. Il fait qu'on est que Real de Madrid qui parle gagner le devoir pour qu'il percer le mur bleu puisque l'équipe Chelsea Alem qui pas prend un pile goal dans le dernier match ça yo. Mais c'est l'équipe qui vraiment dure défensivement et mais Real de Madrid parle gagner pour le compter avec Benzema et pourquoi pas retour de Eden Hazard. Et bien mes amis, je connais déjà joué là commencer. Qui est supposé qui a gagné en contre là? Qui équipe qui a gagné? Qui est-ce qui a marqué goal et combien de matchs Alem a fini? Mettez opinion pendant le commentaire. Si c'est le premier monde qui mettez commentaire ça mes amis, donc vous avez gagné 500 gouttes soit pour recevoir sous minute téléphone en Haïti ou bien sous mon cash. C'était un gros plaisir pour nous, mes amis, pour nous décapoter tout ça qui a dominé l'actualité football là. Pour ne pas bien sourire, mes travails, ça, partager sur WhatsApp, inviter les amis pour vous abonner à la chaîne YouTube là, comme ça, aider nous grandir plus chaque jour. Quand vous abonnez, nous à la prochaine pour la vidéo. Que bon Dieu bénisse, pas oublier, mes amis, préparez-nous pour tout Christ là, son bras qui est essentiel, puisque nous comptons qui joue nous vient sous terre, nous par contre qui joue nous prêter.